Ni o san ta bala ko ma ye ba yelle han ba ya tun mu da ya sare fa poru ma fa ba tin wa ya ko nyon e ni ba na ya kala tun nyon de ja de ton fa fa ti am na ma na ton fa ma na bala ti bala sa ko ta sa tun bala ton be ka bala tun de ni tin na fa ton. Le balade a été réalisé depuis 1965. Au début, il avait une capacité de 1 080 000 mètres cubes. Donc, ce n'était pas un petit barrage. Mais maintenant, vous-même, vous voyez, c'est devenu presque un gros marigot. Vous savez qu'avec les changements climatiques, il ne pleut pas beaucoup. Donc, le barrage n'arrive plus à se remplir convenablement. Il y a aussi les actions anthropiques de l'homme qui fait que le barrage même s'est ensablé. Voilà, donc vous-même, quand vous regardez, vous voyez que les gens sont en train de cultiver au niveau même de la cuvette du barrage. Au niveau des attributions de la police de l'eau, voilà, il est ressorti clairement que nous devrons protéger les berges des barrages afin d'éviter l'ensablement. Nous sommes ici au niveau du barrage de Lourda, qui est un barrage réalisé dans les années 1960-66 et qui depuis lors est utilisé comme outil de développement. C'est à partir de 1983 que le barrage a commencé à tarir. La production, on avait au départ 7 tonnes à l'hectare. Actuellement, on ne peut faire que 3 tonnes à l'hectare. Et si vous multipliez 7 tonnes à l'hectare pour une perte d'une seule campagne, vous voyez que c'est des millions que nous perdons chaque année. Il faut se dire que la conséquence, c'est le manque d'eau, surtout le changement climatique. On assiste à de plus en plus de désertification, les arbres qui meurent, le sol qui s'approvit de plus en plus. Quand on prend la partie sahélienne du Burkina, la situation est plus vécue en termes de réduction de la pluviométrie, mais également en termes de hausse de température. Au niveau du barrage ici, comme vous le constatez, une bonne partie de la digue a été endommagée en 2010 parce qu'il y a eu une inondation. Entre autres acteurs qui ont intervenu, il y a donc ATAT qui a accompagné la population, l'administration également, les leaders du village, pour pouvoir permettre de faire la réhabilitation non seulement au niveau des digues, mais également j'allais dire la prolongation pour étendre un peu plus l'espace de retenue de l'eau.